Bonjour mes petits camarades. Aujourd'hui, je suis en Belgique, à Rognes-Sart, c'est au-dessus de Nîmes. Et je suis au Bon Dieu Rouge. Un bel endroit. Alors le Bon Dieu Rouge, bah, ce sont des baraquements pour que le pèlerin se mette à l'abri, fasse son petit barbecue. Regardez, c'est ça la Belgique. On pense à tout ici. Voilà. Alors là, t'as un putain de barbecue, là, c'est pas n'importe quoi le truc, hein. Regarde-moi ça, toi. Non mais regarde-moi ça, quoi. Voilà, ça c'est le Bon Dieu Rouge. C'est tout un ensemble en fait, hein. C'est-à-dire qu'on peut venir ici, bah, entre copains, en famille. C'est bien tranquille là. En tout cas, bon, il y a une sacrée grimpette pour arriver ici, hein. Voilà le Bon Dieu Rouge. Le Bon Dieu Rouge, bah, j'avais organisé quand j'étais éducateur à l'Albatros une année le rallye, on appelait ça le rallye du Taco d'Or. Et j'avais fait une étape ici pour les familles qui venaient voir les résidents. Un chouette coin, ce Bon Dieu Rouge. Je pars faire une randonnée sur le chemin de la baraque du Roquet. Du Roquet, ouais. Voilà donc le chemin de la baraque du Roquet. Et c'est parti, mon kiki! Chouette petit chemin. Ce chemin du Roquet, là, on traverse des sapinières. Il y a des sapinières à gauche. Il y a des platanes à droite, il y a un peu de tout. Alors, même si j'avais fait une étape au Bon Dieu Rouge, j'étais jamais passé par ce chemin. Donc ça, c'est une découverte. Cresse aux queues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça doit être la langue locale, hein. C'est du wallon. Et on va donc continuer par là. Oui, c'est sympa. Ah, il y a une mare là. Ah oui, regarde ça. Ah oui. Bon, allez, on continue. J'entends de l'eau. De l'eau, de l'eau. De l'au-delà. Hein? Ça ruisselle gentiment. Je laisse ça couler un petit peu plus. J'arrive sur un plateau. On dirait qu'il y a une vieille baraque là-bas au bout des tas de bois. En plein milieu, on va aller voir ce que c'est. Bon, on est bien à la baraque du Roquet. C'est une vieille bicoque en ruine. Voilà, c'est ça. La baraque du Roquet. Donc, il faut que j'essaye de trouver une entrée. Bon, ben, on va se frayer un passage par là. On va y voir un peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Oui, bon, il n'y a strictement rien. Donc bah, c'est une ruine, hein, le truc. Le plafond, enfin le toit s'est effondré. Bon, c'est bien sec à l'intérieur, hein, donc en cas de pluie, tu peux toujours te mettre là quand tu randonnes dans le coin pour casser la croûte au sec, au moins. Voilà.
Mais c'est sympa, voilà. Et voilà, une petite étape à la baraque du roquet. Et puis je vais continuer. Et c'est reparti, mon kiki. Bon, vous avez vu, hein, que ce soit en France ou en Belgique, hein, on n'est pas débordé par les touristes, les sportifs et compagnie, hein. Eh bien, on va faire une petite pause flotte ici. Eh bien, je suis bien là, je suis à l'ombre.